Bienvenue de retour Resident Evil 2, messieurs. Bon, de souvenirs, j'ai déjà un gros problème de type... Ah, c'est clairement la merde. C'est clairement la merde en termes de... Certains, c'est plus bizarre. J'ai activé le ray tracing, mais je sais pas, les textures, c'est l'impression que c'est tout flou. C'est le ray tracing qui fait cet effet. Pourquoi il y a un monsieur là? Hé hey. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Et attends, mais moi je suis tranquillement... je suis chez moi là. Il a cru quoi le gars? Il est... Mais il est sérieux? Mais t'es sérieux, fils de chon? Tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Bah écoute, on va lui faire un câlin, de toute façon il y a la sauvegarde. Salut petit fils de chouin. Ah oui, moi en fait je voulais juste voir si le ray tracing rendait bien en fait à la base. J'ai activé le ray tracing. Est-ce que t'es rapide? Du coup c'est l'occasion de voir un petit peu ses déplacements, ce qu'il fait. Vu qu'on a la sauvegarde, on va... Ouais, on tire pas. Là c'est... on va mourir, hein. On va recharger la sauvegarde, mais juste comme ça, voir un petit peu ses déplacements. J'ai pas de bouton de roulade, d'évitement, genre de truc. On n'a aucun bouton d'évitement pour passer sur le côté, accélérer, je peux juste courir comme un débile. Bon ça va, il est pas si méchant. Toi c'est quoi quand je fais ça? Ah non, c'est juste pour montrer la cam, la remettre devant je crois. Non c'est quoi? En fait il est un peu éclaté le méchant. Il est un petit peu éclaté. On va pas se cacher, vas-y finis moi. Oh, il met des patates quoi, mais il est vraiment pas méchant, il est pas flippant. Regarde, on a clairement connu pire. Pour le moment, j'aime bien le pour le moment. Qui veut dire beaucoup de choses, monsieur. Allez, finis-moi. On va remettre la sauvegarde. Mais il met 10... Putain, il met 10 ans à te flinguer, il est éclaté. Tu crois que tu vas me faire peur dans le futur, là? Il a cru qu'il allait me faire peur, lui. T'as vu ta vieille tête? Littéralement. Je sais pas, je trouve que l'image est un peu granuleuse comparée à hier. Je sais pas si c'est dans ma tête. Ça va être dans ma tête, j'imagine. Mais je sais pas, je la trouve granuleuse. Ok. Oh là, le bordel. J'ai pas de balles, j'ai rien. Donc on doit monter. Je peux pas looter sur eux. Non, y'a rien à faire. Hein. Niveau munitions, je peux m'en sortir comment? C'est que c'est une galère, messieurs. Galère. En plus, y'a l'autre taré qui va nous courir dessus. Donc là, je tourne, j'ai de l'autre côté. Juste à faire le tour. Et tout ira bien, n'est-ce pas? Ah oui, il y avait ça. Enfin, c'est quoi ce bruit? C'est le gars qui est proche quand t'as ce bruit ou c'est quoi? Vas-y, dégage avec ta musique qui me fait flipper là. Oh là là. Il est où? Voir. Oh putain, t'es sérieux? Mais t'es sérieux là? Il va venir? Mais c'est un enfer le truc! Mais t'es sérieux? En plus, je vais super lentement! Je fais comment? Alors que c'est un gars tout nul, j'ai quand même tous mes poils qui s'érissent, fait chier. Je réussis à quand même avoir peur. Il peut suivre salle de save. Il peut pas entrer salle de save. Oh mais c'est un enfer. Quel enfoiré. Je fais quoi? Mais c'est sur casse-couille. Il est juste à côté dans le couloir. Bienvenue dans Resident Evil 2. C'est horrible! Comment je dois gérer ce gars? C'est hyper casse-couille! Le vrai jeu. Ah bah c'était trop facile jusqu'à maintenant, tu pouvais te promener tranquillement, tu mettais 2-3... Le chat à la souris, tu mettais 2-3 têtes dans les zombies? Non, tu dois gérer les zombies plus cet enfoiré? Mais c'est infernal! Oh, je suis un peu dégoûté là, je t'avoue. Génial! Génial! Qu'est-ce qu'on fait? J'ai rien à prendre. Mais comment je vais faire? C'est un enfer!
Et comment je dois l'éviter? Pourquoi il est revenu sur ma gueule? C'était du pas de chance ou c'est qu'il m'a entendu? Mais c'est horrible le truc! Regarde ton inventaire, les deux clés que tu as sur la map, ensuite voir s'il n'y a pas la porte que t'as pas fait. Ouais, effectivement, parce que du coup, vu qu'elles sont pas terminées, c'est qu'il y a encore des portes à ouvrir. Attends, je voulais monter déjà. Je voulais monter. Je sais pas du tout où sont les portes à ouvrir. Là, y a rien. Non, je sais pas où c'est. Oh, mais c'est horrible. Oh, monsieur Akira. Mais c'est insupportable avec le gros ton, là. Il est où? Mais ça va juste être hyper chiant. Il est au-dessus de moi, il est où? Oh, ça va être chiant. Il est où ce... Mais tout à l'heure, j'ai pas bougé, j'étais derrière moi, j'ai vraiment pas bougé. J'étais vraiment, j'ai fait au milieu, comme ça. Et le gars est quand même venu vers moi, c'était du hasard. Oh, ça va être chiant. Parce que même ici, il vient, c'est ça qui est bâtard. Ah, c'était du hasard, il rôde. Et du coup, il est du côté où je veux aller, quoi. Oh, c'est infernal. Il faut que je repère les salles de save. Et je cours dedans, quoi. Courage, monsieur Storm. Pouf, le monsieur avec une sale gueule en robot, là. J'imagine c'est ça. Salle de save, est-ce qu'on en a par ici? On en a pas en plus. Oh là là, l'enfer. Et je dois en plus pousser les trucs pour pouvoir passer. Mais comment tu veux que je m'en sorte? Donc là, il fallait que je pousse ça. Mais il me fallait un cric. Ah bah je peux pas. Il me fallait un cric. Ok, donc je peux pas le faire pour le moment. Il y a un couteau, mais bon, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc je cours pas, je reste en marchant. Le problème c'est que du coup il faut le criquet, donc il faut que j'aille chercher d'autres pièces, j'ai raté des trucs. J'aime pas le couteau. C'est toi le couteau? C'est toujours ça. Donc ça je peux pas le faire. PC je peux pas le faire. Ben, je vois pas trop. Je vois pas trop. Enfin, le salon qui est juste à côté de moi, effectivement. Pourquoi il est rouge alors qu'on était... Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est juste ça. Ouais, c'était juste ça, c'est tout. Ok. Ça. Il est là, non? Oh, il revient, putain. Mais ça va être infernal. Je vais passer ma vie à attendre comme un con. Ah, j'ai beaucoup aimé le jusque là, mais mais là il va vite me saouler. Comment vous dire? Il est juste à côté. Oh, il va être chiant ce monsieur. Bah la pièce là, non, j'y ai pas accès. Regarde, y a pas de, c'est par ici. En fait, cette pièce là, pour y accéder, il faut que je puisse passer en haut pour après faire le tour. Là, j'y ai pas accès parce que j'ai pas accès à ça. Toi, j'ai accès qu'à ces deux pièces. Bah, comment tu accèdes à ça? Depuis en dessous, là? Pourquoi il y a des... Oh là là, j'ai même pas de balles pour me défendre. Les panisseurs, ils sont aveugles. Calme et détendu. Tu veux pas venir? Il faut que j'aille dans le petit coin, je peux passer sur le côté là. Bah, si tu restes là, tu me fais un peu chier en fait. Oh non, il veut pas venir. Et vas-y, barre-toi. Mais t'es sérieux? T'as pas l'impression de faire chier au monde là?
Non mais j'ai plus rien, j'ai plus de balles. Je crois j'ai 4 balles de pompe. Je fais quoi? Je le pompe? Mais il me voit ou pas? Oui, il vient exactement où je suis. Allez, c'est bon. Tranquille. On va y arriver. Aucune violence, on a dit, si on a plus de balles. Il a envoyé la cave littéralement, monsieur là. Désolé. Saleté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Linen room. La buanderie. Oh là là. Ça, ça ne soit extérieur, non? Je l'ai déjà ouvert ou pas? Je l'avais pas ouvert. Ok. Ça donne là-dessus. Allez, on n'a pas peur, messieurs. Oh, il arrive en plus l'autre. Oh là là. J'ai l'autre enfoiré. Je dois rentrer là-dedans, mais il va y avoir plein de merde, c'est sûr. J'ai peur. J'ai de quoi faire. Je peux faire des balles ou pas? Je me fais des balles de pistolet. Là, on va les combiner. Ça me fait quand même toujours quelques petites munitions. On va pas cracher dessus, je vous avoue. Oh, c'est bon ça. Alors, examinez. Donc on disait. Enfin, c'est qu'il a pas trop envie, ok. Pas que je me trompe là. 2, 3. Faut que je rappelle. Là. Merde, non. Là. Là. Oh, la galère. Ah, putain, j'ai... À la souris serait 10 fois plus simple. Il est super compliqué. Oh, merde. Je me rappelle déjà plus. Là. Là. Fais encore plus de bruit. Je t'en prie, vas-y. Fais un max de bruit. Il y a absolument aucun souci. C'est bon. J'ai mon numéro, messieurs. C'est bon, on a le numéro. Une bonne chose. Ce qui veut dire qu'on pourra récupérer tout ce qu'il y a dans la réserve. Parce que du coup, pistolet, 19 balles, pompe, 7 balles. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que du coup, là, le bureau, il est ouais, rouge à cause de ça. Ça, j'ai pas ce qu'il faut. Et comment j'accède, du coup, à la tour de l'horloge? Je continue de monter là-haut, là. Mais non, je peux pas. Ah oui, non, on a dit. Fallait... Il faut, c'est ça. Ouais, non, je retourne directement. J'essaie d'aller à la tour de l'horloge en passant par là ou genre je vais directement au coffre? Bibliothèque. Bibliothèque. Non, bibliothèque, je peux pas. Il faut le cric. Pour passer par la bibliothèque, il me faut le cric ici. Pour déplacer les armoires, je peux pas le faire. Je vais d'abord faire le... Tu crois que je vais d'abord chercher... Putain, c'est au bout de la map, mais le curse, là. Ça fait salon. À moins que j'arrive du bon côté, maintenant. À moins que grâce à cette porte... Mais non, c'est... je suis là. Ouais, non, ici, c'est mort. Parce que ici, il faut... Là-haut, pour que je puisse passer, tu vois, c'est cassé. Il faut que je puisse déplacer le truc. Je vais déplacer ça, mais je peux pas, il y a le... Ok, en plus il y a l'autre qui arrive, on va se barrer. Oh putain de sa mère. Vraiment, il fallait que tu viennes par là? Je fais comment? Après, il m'a vu ou pas s'il y a la musique? Je fais comment? Oh. En plus, il fallait qu'il soit sur le seul chemin où je peux pas passer. Oh, puis il y a l'autre truc en plus là. Moi j'ai une théorie. C'est vivons cachés, vivons heureux. Tu penses qu'il va rentrer forcément là où je suis? Oh, j'aurais dû jouer avec lui sur la bibliothèque. Vu que j'ai plus vite. Mais c'est horrible. S'il vient là, je suis mort, je suis plus coincé, je peux pas fuir. Oh, putain, c'est un liqueur juste derrière. Non, c'est bon, il est passé. Il est dans le couloir. J'y vais? Ah, putain, c'est horrible. Les endroits où tu peux réussir à courir et puis l'éviter.
Genre surtout pas là où j'ai été. Ok, non, il est passé faire le tour là-bas. Oh mais c'est horrible. Du coup là c'est pas flippant mais c'est juste horrible en fait, c'est stressant. C'est terriblement stressant. Ok, tout va bien. Je suis calme et détendu. Qu'est-ce que je voulais faire? Le cœur. Donc le cœur c'est de l'autre côté je crois. Si je dis pas de bêtises. Attends, c'était où les... Bah non pas du tout en fait. C'est là en fait. Oui là, ici, ok. Juste passer en dessous. Pourquoi il y a des bruits chelous? Oh putain mais tu es sérieux? Vraiment? Mais ils abusent. Oh là là. Comment le gars est arrivé là? Sérieux? C'est casse-couille monsieur, ça m'énerve. Vraiment casse-couille. Surtout qu'il est éclaté en plus. Ça, c'est même pas qu'il se fait vraiment peur. C'est plus qu'il casse les couilles littéralement. Qui se téléporte à H24. Je vais faire quoi le curse? Mais je peux pas aller le curse là, il arrive sur moi non? Ça en effet que ça pue le temps, n'est-ce pas? Utiliser. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait récupéré? Je dois me barrer d'ici ou pas? 103. Oh là là. Je sais pas s'il va venir là. Ok. Un couteau, sauf que j'ai plus de place. Je vais laisser là, non? Attends, je peux faire le tour là. Je peux jouer avec lui. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout ça, c'est bon. Là, il n'y a plus rien. Il nous reste. Le 203, c'est tout? Il est à côté, j'adore ça. Oh, c'est bon ça. Attendez, il y a un truc qui m'intéresse là, messieurs. Plus de place. Oh, oui, parfait. Donc là, c'est la place maximum, j'imagine. Là, on peut faire le tour pour s'échapper. Mais il est chiant, quoi. Si je me mets là, il peut me voir ou pas? C'est quoi si, Wallach? Il n'y a pas non plus d'effort. Ok, j'ai ma sauvegarde pas loin, on récupère ça. Et normalement, j'ai officiellement terminé cette salle. Yes, oui. Putain, il tape les portes à côté. Je fais quoi? Faudrait que je sorte là, que je puisse aller là. Sauvegarder. Et après, on verra. On a une clé là, trèfle. Est-ce que j'ai la clé trèfle? J'ai la clé trèfle. Donc en plus on a une salle d'archives à côté. Cœur, je l'ai pas mais j'ai le trèfle. Ok, donc on sauve, on save, et après faut qu'on retourne à l'archive. Oh mais il est juste à côté ce con quoi. Là je dois aller à gauche, on est d'accord. Je reste calme. Toi il est pas flippant pour le moment. Là c'est pas flippant, c'est juste chiant. Ce qui est plutôt positif. Clairement. Donc là, j'ai rien à développer. On pose notre bordel. Qu'est-ce que je pose? Je garde un couteau sur moi? Ah, par la réception. Oh, vas-y, c'est un peu... Tu vas faire tout le tour, là. Oh, écoute, on a sauvegardé. Allez, cassez-moi pas les couilles, les zombies. Voilà. Ah ouais, quand même, en fait. Oh, putain. Ah, je suis peut-être pas venu encore ici. Ok. Ah. Ah. Bah même là-dedans, il y a du monde. Ah. C'est bon? Ok, c'est l'air d'être bon. Tu vois, faut juste porter ses couilles. Un moment, enfin. Faut arrêter d'avoir peur. Ok, poudre. Ah. Normal ça? C'est gros ou c'est des zombies? Ok, ça c'est pour le... ce qu'on cherchait justement, c'est tout? J'ai encore des trucs à récupérer, je sais pas quoi. Oh putain, il y a le gros qui arrive en plus. Oh là là, j'ai des zombies plus ce gros, sérieux. Oh,
j'ai le gros qui va se pointer, c'est sûr. J'ai raté quoi? Restons zen. C'est bon, c'est clear. Et là, ce qui est terrible, c'est que j'angoisse, mais... Alors qu'il n'y a pas de raison. C'est débile, m'angoisser. Il n'y a littéralement aucune raison. Les portes, j'ai pas accès. J'ai pas de clé rouge. Et le gros, il est dans le couloir juste là, je peux pas sortir. Je vais voir s'il rentre. Oh, en plus, j'ai tous les autres. Attends, donc là, quand je sors... Il faut que j'aille à gauche. Tout droit, réception, sortir. Putain, c'est merde. Oh là, tout droit, sortir, c'est là. Ah, la zone, elle est charmante, on peut pas de revenir là? Comment vous expliquer? On a connu mieux comme ambiance? Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je propose de vite aller poser notre bordel. Ça dépose, ça j'en ai besoin après. Grenade, je la garde ou pas? Ça me désespère, monsieur. C'est pas grave, ici techniquement, si l'autre vient, je suis tranquille. Si j'ai plus que lui, y'a pas de problème. On peut largement tourner, t'es pas loin putain en plus. Tizi. Voilà, très bien, très bien. Bien de maintenir. Je dois le déplacer de combien? Attends, on va faire un double. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Le truc extrêmement discret, bien sûr. Ça, ça fait plaisir d'être discret. Allez, vas-y. Voilà. Ok. Allez, 2-2. Il n'y a aucun problème. On y va direct. Oh, j'ai peur. On va encore avoir un vieux screamer à la con, là. C'est trop longtemps qu'il n'y a rien qui se passe. Ça fait beaucoup trop longtemps, messieurs. C'est quoi ces petits bruits en plus? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, peut-être? Donc là, on sort et on doit passer sur l'extérieur, ok. Il y a un accès à un passage spécial. Bon, c'est charmant par ici. C'est clairement pas éliminé, messieurs. Il y a du loot là? Il y a du loot, fais gaffe. Littéralement. Oh putain, t'es sérieux? Ça m'embête un petit peu. Oh non, arrête pas. Il ment ou pas? Je t'ai mis 3 balles! Mais mec, je t'ai mis 3 balles! Alors, qu'on soit d'accord. Je t'ai mis 3 balles dans la tête, 2-1. 2-2. Allez, bien vous faire foutre. Mais c'est quoi ce bordel? Ok, je viens de me faire bousiller par un truc claqué, c'est mes derniers soins. Pourquoi ils m'ont eu comme ça? Oh, puis y a l'autre qui arrive en plus. Oh là là, il y a encore des zombies, mais t'es pas sérieux! Mais t'es pas mort! Mais comment c'est possible? Je lui ai mis 6 balles dans la tête! Mais... Faut que j'arrête? C'est un truc Ok, on va pas aller loin avec... Il me reste 4 balles. Ah! Bah, il était comme à mes pieds, je peux pas repartir, il n'y a pas de, place. Oh là là. Attends, du coup, non, c'est bon, il n'y a plus rien à loot. Mais quel enfer! Quel enfer, monsieur. Quel autre con qui. Oh putain, l'autre con est là, c'est un cul-de-sac. Je fais comment, moi? Je veux pas passer dans la salle où je suis censé aller, il y a. Comment tu veux que je m'en sorte? Oh là là. C'est casse-couille. Par contre, premier degré, vraiment, ça me saoule. Ce gars.
Oh là là. Au couteau, enfin. Mais c'est quoi, c'est deux coups le couteau et puis après tu l'as plus? Je fais comment là? Faut que je refasse tout le tour, que je fasse venir là et que je remonte? What? Ah merde, je savais pas que c'était utiliser les échelles. On a pas prévu ce détail. Bah, du coup, j'ai pas réussi à prendre assez d'avance. Oh là là. D'ailleurs, vous remarquez que mon cœur est relativement calme. Je suis plus saoulé que flippé. Attends, c'était là-bas. Oh mais... Mais non, c'est bon, il peut pas passer là. Du coup, il va forcément arriver, c'est la merde. En plus, j'ai 4 balles, il y a des gars de l'autre côté. Je fais comment? Il a encore envie, l'autre con. Oh, c'est l'enfer. Projet de réparation, raison de la grande valeur culturelle de la cloche, j'appelle les spécialistes pour les réparations. On verra les détails quand il sera sur place, mais en attendant, je vais sécuriser la cloche pour éviter un accident. Ok. Oh non, j'ai pas la pièce. J'ai pas la pièce, putain, je dois retourner tout en bas. Je vais retourner tout en bas chercher cette pièce à la con. Mais c'est une blague. Non. En plus c'est un cul-de-sac là-dedans, je vais me retrouver coincé avec l'autre. Mais non. Je suis où là? Tour rouge. C'est un cul-de-sac là. Si gay là, je suis mort. C'est charmant dis donc. Pourquoi il y a une pièce comme ça? Juste pour ça? Oh, en grande quantité, merci bien. Pas de créer deux fois plus de munitions que la poudre noire standard. Je fais quoi? Je le finis ou pas? Non, j'ai 4 balles, on s'en fout de ces trucs. Ça sert strictement à rien, on est d'accord. Bah, couteau, je peux pas... Je peux pas me le faire au couteau, monsieur. Je peux pas me le faire au couteau. Et comment? Quand tu sortais le couteau, je peux pas sortir mon couteau? À la place des grenades? Je fais ça comment? Ok! J'ai gaspillé des munitions depuis tout à l'heure. Attends, j'ai pas de couteau jusqu'à maintenant. C'était pas du tout ici. Bravo, tu t'es magnifiquement bien planté. Ok, bon. Est-ce que je peux récupérer ça? Du coup, il a déjà mis le life un coup, il est déjà foutu. C'est ridicule. Oh, c'est 3 coups du coup, les couteaux. Pour le petit truc que j'ai cassé tout à l'heure, là, le coup qu'il a pris, puis le... C'est 3 ou 4 coups seulement. Ok, on va redescendre là-bas. Coffre? Comment ça, coffre? Tu veux dire pour récupérer un coffre fort ou un coffre pour récupérer ma pièce? Oh, il a mis son plan en plus. Y'a rien là. Salut le zombie. Tu vas bien? Tu me fais pas peur, désolé. Je suis désolé de te décevoir comme ça. Ok. Bon. Oui, on fait le tour 17 fois. Bien une raison, messieurs, une raison. Il y a des zombies là? Attends, j'ai mal à la gorge en plus. J'arrive plus à parler. Ce qui est pas très très pratique. Ok. Nous disions donc. Je vais rendre l'engrenage, remonter tout ça. Mais sur la carte, il n'y avait pas marqué de coffre. Où tu parles à coffre pour récupérer? J'ai pas fait gaffe. Écoute, tant pis, on est là. Oula, oula! J'ai chuté de FPS à maman là. De type présente. Donc, il y avait deux pièces. J'ai qu'une seule des pièces. Est-ce que j'y vais en courant? Ou est-ce que c'est la pire idée possible? Je sais pas s'il peut m'entendre à une telle distance. Ah, peut-être aller de l'autre côté. Il est où? En bas ou en haut? Oh putain, il est en haut. Non? J'ai un zombie. Je devais aller où? Ok, c'est juste là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tranquille. Tout va bien. Il n'y a aucun problème.
Ok. Je reprends. Putain, il est juste derrière. S'il rentre là, je suis dans la merde. Oh, il y a des bruits en plus. C'est pas cette pièce. Je monte du coup. Où ça s'est ouvert? Attends, c'est où que ça s'est ouvert? Est-ce que ce serait pas le truc juste dans le tunnel au fond qui était bizarre? Parce que j'avais un tunnel au fond qui était pas logique. Attends, là. Il monte l'escalier qui serait là, sur la map. Il est bien là. Il est bien là, monsieur. Allez. Coucou Tivano, vous allez bien? Des bisous à vous. Ça fait longtemps. Donc là, on doit récupérer logiquement un engrenage. Tout simplement. Un engrenage à la con qui va aller en bas. Ok. Quel intérêt d'avoir fait monter jusqu'ici pour le remettre en bas. Je vois pas d'autre idée qu'un screamer qui m'arrive dans la gueule. Sinon, c'est totalement useless. S'il y a pas un truc, ça me servait à quoi de me faire monter là-haut? Oh, il est juste à côté. S'il passe là, je suis mort. Si je ne bouge pas, peut-être ça va le faire. Parce que là, le jeu, s'il me fait monter là-haut, il y a forcément une raison. Parce que c'est juste monter à l'étage pour prendre une pièce pour la remettre en bas, ça n'a littéralement aucun intérêt. Que ce soit en termes de gameplay, de logique, de tout ce que tu veux. C'est que je vais me prendre un screamer, une connerie, c'est pas possible. Sinon, c'est débile. Est-ce que le jeu est débile? Le jeu est peut-être débile. On surestime peut-être le jeu, n'est-ce pas? Ok, il fait encore plus de bruit, quelle excellente idée. Est-ce que le truc descend? Comment je fais descendre le truc? Il y a un bouton, il y a quoi? Ah! Est-ce qu'on doit aller au-dessus? Comment on fait bouger ça? Ok, le générateur est allumé, mais comment on le fait descendre? Ah! Comment est-ce qu'on le fait descendre? Le truc est juste là. Je fais comment? Parce que bon, c'est pas pour dire, ça fait combien de temps? Ça va faire une heure qu'on est retourné sur le jeu. On a encore rien vu. Y a rien. Je dois reposer. Mais non, c'est pas logique. Oui, c'est logique. Ok. Mais oui. Mais quelle super idée. C'est trop bien. Je me plaignais que c'est trop calme. Et puis vous inquiétez pas. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Franchement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Juste des petits zombies au milieu de... On les a pas du tout réveillés. Allez, tous les zombies de la ville, ouais, c'est littéralement ça. Tout ça pour ce truc à la con, on aurait juste pu escalader et le récupérer. Ça aurait été plus simple que de réveiller tous les zombies de la zone. Mais pourquoi faire simple quand ça peut être extrêmement dangereux? Là, c'est pas compliqué, c'est juste dangereux. Ok, récupère ça. Ce qui veut dire... Attends, merde, je voulais le voir. Examiner. Faut que j'ouvre, non? Comment tu l'ouvres? Allez, récupère ce qu'il y a dedans. Le petit composant pour le parking. Du coup, non, tout ce qu'il faut pour le parking. Il faut que je retourne à l'autre bout de la map. J'ai mes deux composants électroniques. Tout ça, c'est looté. Il restait juste un truc bleu sur la terrasse, on s'en fout un peu. Ce qui veut dire que maintenant... T'es où, saleté? Je sais même pas où il est. Putain, il est... Il est censé être à côté de moi, là. Il y a personne, monsieur. Il est où? Putain, la lumière me fait peur. Il y a littéralement personne, en fait. Je vous explique. Pourquoi tu fous cette musique de merde qui m'angoisse? S'il y a rien... Ici? Non? Non, c'est juste pour te faire peur pour rien. C'est juste de la violence gratuite.
Il y a littéralement aucune autre raison. Il vient. On est en train de se pointer l'autre con. Ah putain de sa mère! Mais c'est pourquoi j'ai peur, y'a aucune raison! Y'a littéralement aucune raison d'avoir peur! C'est un vieux gars tout claqué! Je sais pas, je fume ma race! J'ai tous mes poils qui sont hérissés! Ça n'a aucun sens! Il est nul! Il est nul à chier! Il fait pas peur visuellement, son pouvoir est claqué! Et pourquoi c'est plus ouvert? Hein? Comment je vais dans le parking? Ah, c'est plus par là? Ah! Oh là là, quel enfer! Je sais même pas pourquoi j'ai peur! Attends, mets-toi en position, j'ai les jambes croisées. Oh putain, zombie à la con! La gueule, zombie! Ok, je pensais que je pourrais passer. C'était clairement pas le cas. Ok, toujours tout droit. C'est là, oui. Ah, mais ça fait monter, pas descendre! Je suis censé descendre, je suis pas censé monter. Bah c'est nul. C'est absolument pas ça. Donc là si je descends là. On est d'accord, c'est bon. Ça va, ça va. Même si j'irais encore mieux s'il n'y avait pas ce jeu à la con. Comment je fais? Je vais pas gaspiller mes balles pour lui. Mais s'il a le vent, il va forcément me choper là. Ah ouais. Comment je suis censé faire? Allez, go, 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 go. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est là ou pas? C'est même plus. Ok. Calmons-nous. Calmons-nous. Tout va bien. Donc ça, on recharge. Oh oui, des balles. Ça change la vie d'un homme. Donc là, tout récupérer, il restait une plante juste là. Mais attends, je suis pas au bon endroit en fait. Je peux pas redescendre. Oh, mais c'est pas du tout par là. Non mais les gars, attends. En fait, l'escalier, il permet juste de monter et descendre ça. Il permet pas d'aller ici. Il y en a un autre là. Attends, que j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a clairement fait de la merde, non? Bon, toi, tu vas pas me saouler 10 ans. Voilà. Ah, je suis clairement pas volant, ah, d'accord, bah du coup je profitais pour prendre la plante. Mais t'avais raison, je pensais qu'on pouvait redescendre par là, mais absolument pas. Donc c'est bien celle des gardiens. Bon écoute, au moins on aura looté ce qui nous manquait ici, on va nettoyer la zone. Il restait encore un truc qu'on avait laissé dans l'autre salle. Ici il restera un truc, ça peut être quoi? Eh mais il est encore là l'autre. Oh là là, il est sérieux. S'il vient, je peux faire quoi? Je peux pas faire grand chose. Oh là là. Oh, t'es casse-couille, toi, mon gars, t'es casse-couille. Bon, bah, tant pis pour ce qui nous manquait à loot. Je propose de se barrer, clairement. Ça vous va? Tu m'as dit quoi? Salle d'attente, coffre. Fallait passer salle gardien. Mais pas de salle de gardien, là. Je dois redescendre. Salle gardien, ici. Ah, est-ce qu'on a ouvert ce passage, maintenant? Ok, donc faut que je redescende. Donc tout droit au fond, je ressors. C'est juste, on avait ouvert la porte. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va pas me poursuivre, l'autre coin? Il va s'arrêter de me poursuivre à un moment? Toi, même ici, il n'y a plus de zombies. C'est un peu chelou. Ok, il y a un couteau. Est-ce qu'il faut le prendre? Écoute, on va le prendre. Oh putain de ta mère! Oh, t'es sérieux? Vous êtes combien? Il y a le gros qui arrive là derrière! C'est la merde! Ok, qu'est-ce que je fous ici? Je dois descendre. Oh, j'ai claqué toutes les balles que j'avais, fait chier. Mais je sais que... Tu veux que je fasse comment sans le tuer? Si j'avance sur lui, mais je jette dessus. C'est pas assez large pour jouer avec les zombies à la Call of. C'est le souci, monsieur. Ok, donc là, je vais à...
Oui, tout à fait. Le parking est juste là. Donc, je devais aller aux cellules tout au fond, c'est ça? J'ai ce qu'il faut? Ouais, j'ai mon truc. C'est terrible. C'est terrible, monsieur. Donc là, on va tout au fond. Normalement, c'est censé être à peu près clair. Même totalement clair. Théoriquement, c'est là. C'est là. On est censé leur avoir cassé la gueule. Ah, puis je vais ouvrir les salles. Oh, ça va être le bordel. Je crois que non, je vais pouvoir ouvrir toutes les cellules. Prendre du coup. Ah, bah oui, il a la carte. Du coup, c'est lui qui avait la carte, c'est juste. Si je dis pas de bêtises. Merde, c'était pas là. Bah, il est où ce con? Ça, c'est ça. Donc là. Je dois lui dire où? Attends. Est-ce qu'il manque un truc où là? Attends, comment est-ce qu'on fait ça? Donc il faut que les deux se connectent pour qu'ils deviennent plus puissants. Et il doit sortir ici, forcément. Le problème, c'est que pour sortir ici, il n'y a pas d'autre solution que celui-là. Donc celui-ci, il faut forcément l'alimenter. Problème? Je vois pas comment. Tu vois, parce que ici, en fait, là, tout en haut, il peut pas arriver de là. Attends, si, attends, je peux tourner. Non, mais non. Non, ça change rien. Parce que là, ça le fait sortir. Il est obligé de passer comme ça. Et le problème, c'est que c'est là, en fait. Pour arriver d'ici, j'ai pas d'autre choix que là. Ah, bah attends, ici. Ah, ah, ah. C'est bon? Non, j'en ai qu'un, du coup, j'ai pas les deux. Voilà. Voilà, effectivement. C'était pas si compliqué, monsieur. Bon, toi, je récupère ton truc à la con, là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? Ok, enregistrement. Oui, oui, mais cela n'explique pas les rumeurs qui courent sur l'orphelinat. Et le fait qu'Umbrella fasse partie des bienfaiteurs ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ah, Annette, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virus G. Où avez-vous sur ce parler putain de gouffre dans la ville qui, d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Qui l'aurait deviné? Je... plus, ou est-ce que cet entretien est terminé? Connasse. Ça a mal fini pour lui. Donc on a la transcription. Ok. On a le truc, enfin ticket de parking là machin. Le pass. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, par contre quand il te file du soin et tout, c'est pas bon signe. Commissariat est infesté de monstres, même ici je ne peux entendre les gémissements, mais ce n'est pas des zombies que j'ai le plus peur. L'arme biologique ultime développée dans le plus grand secret par ces enfants. Bah je pense que c'est le gars qui se promène logiquement du coup. Rien que penser que cette créature peut se balader dans les parages, c'est clairement lui. Des chances pour qu'il ait ordonné de tuer les témoins. C'est pour ça qu'il attaque tout le monde. C'est clairement le gros, non? On est d'accord. Ah, je les ai tués. Tranquille. J'ai été malin, je les ai tués. Est-ce qu'il reste du loot? Non, il n'y a plus de loot. C'est pas rouge. Toi qui sont assez vicieux pour les avoir fait revivre les... Eh hey, putain, fils de... Alors t'es tout éclaté, merde. Pourquoi j'ai peur? Putain de merde. Je suis censé faire quoi moi là? Y'a pas un problème? Attends. J'ai un truc qu'on appelle une grenade. Je me dis que ça peut être efficace. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous êtes combien les gars? Tape dans le fond. Putain, c'est en plus je me rate les... Je veux pas tous me les faire en fait. J'ai rien claqué toutes mes munitions là. Surtout que j'ai déjà tous flingué à la base. Sérieux le jeu? Il est sérieux? Bon. Génial. Ça, c'est fait. Y'a rien d'autre à récupérer, du coup, on est d'accord. Oh putain, t'es sérieux, ta mère. C'est pas vrai. Toujours plus loin, toujours plus dans la... Ah, dans la vue, bah oui, bah oui.
Sinon c'est trop facile. Bah oui. Est-ce que tu penses que j'ai une chance de survie ou c'est le jeu qui veut que je meure? Est-ce que je cours moins vite quand je suis blessé? Oh là là, l'enfer. Et en plus je perds du mauvais côté, je me suis coincé. C'était de l'autre côté, putain. Quel con. Mais non. Je suis dans un cul-de-sac. Mais non, le débile. Mais non, j'étais bon, j'avais réussi à fuir. Mais c'est pas possible d'être aussi con, mon dieu. Je suis quoi? Tout ça parce que j'ai pas été du bon côté. C'était gagné. Putain. Bon, le jeu est sympa. Ouais, mais bon, sur tout ce que j'avais pris... Attends, il y a les méchants ou pas? Non, ça n'a pas encore sonné. J'ai récupéré mes munitions. Je dois faire quoi? Comment je dois le faire? Là, j'ai les flashs. Je reprends ma grenade. Ce que je veux dire, comment ça? Comment tu t'en sors? Ok, je l'ai clairement foiré, super. Ok. Attends. Putain, mais apprends à viser, bordel. Comment je vais faire? Passer en courant très vite. Non, ça passera pas, je fais comment pour passer? Oh là, tu me casses les... mais un niveau, toi. Comment tu veux que je passe, mec? Comment tu veux que je passe? Espèce de gros sac à merde. Ouais, c'est bon. Oh putain, vas-y, un zombie en plus. Vas-y, fous-moi la paix. C'est vraiment pas le moment actuellement. Je suis où là? C'est bon. Toujours plus. Ça va le calmer pour quelques secondes. Ça commence à bien faire. On dit merci en général. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Eh mais je veux me barrer, je demande pas mieux. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Ouais, on peut pas parler maintenant. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. Ouais. Et ça? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fichons le camp d'ici. Elle devient presque sympa, dis donc. Comparé au début. Oh le bordel, quoi. Est-ce qu'il faut que je me soigne ou on s'en fout? Et si on ouvrait la grille? Ce serait avec grand plaisir. Tu m'as pas pris la carte? Elle me l'a rendue? J'ai pas fait gaffe. Le succès, messieurs, plus incessante. Oh la galère. Et genre, c'est la fin avec ce personnage ou pas du tout?